Oh là! Oh non, mais il est encore là, lui! Il sait même pas nager. Ouais, enfin, tu devrais peut-être pas parler trop vite, ma cocotte. Hé, hey, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Il y a des blessés? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non mais je rêve. Il revient! Qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Oh bordel de merde! Oh putain! Oh putain! Oh non mais c'est pas possible! Frère, j'ai plus... J'ai plus rien! Oh non! Oh, je l'ai raté. J'ai raté. Non, 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 non. Attendez, qu'est-ce que je viens d'avoir là? Tac. Frère, frère, frère! J'ai oublié de sauter. J'ai oublié de sauter. Ah putain de merde. Ah putain.
En fait, genre, je viens de comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Et je sais pas. Il est où ? Oh putain! Ok, va en finir. Prends ça! Carlos, t'es toujours là? Évidemment, il faut que ce truc me lâche maintenant. Fais chier! On a eu chaud, hein. On a eu chaud. Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine. Jill ! Hé ! Parle-moi ! Tyrell, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Donc, je regarde un truc. Tiens, je te le promets. Waouh. C'était chaud de ouf, hein. Vous savez quoi? Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'eau.
Avec tout ce qui s'est passé là, il me faut un petit peu d'eau là parce que. Heureux. Alors, on va pouvoir commencer. Par recontinuer plutôt. Bon, on va pouvoir continuer un petit peu notre épopée, je pense. Et alors, vous l'aurez compris, j'ai dit que j'allais chercher de l'eau et finalement... Finalement, j'ai pris du coca. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que je me suis niqué, je me suis mangé la poignée de la porte dans le ventre et ça fait mal. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Je crois que je me suis ouvert en plus. Donc, ouais, il y a moyen que j'ai mal pendant longtemps. C'est pas grave. Là, il y a une chaîne, mais je peux pas l'ouvrir. Donc, ça, c'est sûrement pas par là que je dois aller. Je veux vérifier un truc, attendez. Hop, tac, tac. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, bon, alors, par où est-ce que je dois aller? Par là, il y a Jill, je crois, hein. C'est ça? Ouais. Calme-toi, hein, par contre. Ah, je peux pas aller par là? Bordel, mais c'est par où je dois aller? Y a pas 50 000 portes non plus quoi, je veux dire c'est un effort. Ah, c'est par là. C'est vraiment pas le moment. Ah si, avant ils savaient pas que j'étais là, maintenant je pense qu'ils le savent, hein. Ah putain! Je
J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Là, il me faut le crochet, mais bon, ce sera sûrement agile. Oh putain. Chaque jour, on reçoit de nouveaux patients atteints de cette mystérieuse maladie. Les sédatifs ne suffisent pas à calmer leur délire. Alors nous avons recours aux camisoles de force pour déplacer vers l'asile d'isolement. Le problème, c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée. Le directeur nous a ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes, mais qu'espère-t-il que nous fassions ? Leur souhaiter d'aller mieux ? Nous n'avons aucun remède. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'un patient décède, il n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles. On nous a parlé d'une procédure spéciale pour empêcher la maladie de se propager, mais j'ai un peu de mal à y croire. Miranda a vu des types franchir la porte interdite avec un corps dans, lors de son service de nuit. Où l'ont-ils emmené? Et pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben mon Jackie, j'en sais rien. Oh putain. Bard, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte. Voix A non identifiée. Voix non identifiée. Bon, je trouve la cassette. C'est fou, quoi. Oh non! Oh non, quel enfer!